en bas de vie, dans la peau d'une conductrice d'engin. De gros engins circulent au site minier d'Ambatouvie à Mouramang. Ils sont notamment destinés à transporter les minerais contenant du nickel et du cobalt. Conduire des gros engins est un métier qui n'est pas seulement destiné aux hommes. Comme l'a pu le constater la délégation du ministère auprès de la présidence chargée des ressources stratégiques qui a effectué une visite sur les lieux la semaine dernière. Jessica Rakutwarsul Antinien est âgée de 24 ans. Elle exerce le métier de conductrice d'engins sur le site d'Ambatouvie depuis un an et demi. Elle a toujours été passionnée par l'automobile, raison pour laquelle elle a suivi une formation en mécanique auto à l'IST d'Ampasapito. Elle a ensuite suivi une formation pour devenir conductrice d'engins suite à une offre à laquelle elle a postulé. Jessica travaille 12 heures par jour. Elle travaille pendant 5 jours et se repose les 3 jours suivants. Ce métier comporte des risques, notamment lorsque l'engin doit traverser une route glissante ou une zone turbulente. Mais étant donné qu'il s'agit d'un véhicule assisté et hydraulique, la conductrice n'a pas besoin d'user de toute sa force pour le maîtriser. Il faut juste prendre le temps de s'habituer, a-t-elle conclu.